I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? Woo! Sweet baby Jesus in the office. Look in my eyes. Oh, excuse me. What do you see? The called off personality. Ouais, ben la grosse personnalité de CM Punk a fait beaucoup jaser dans la dernière semaine, mon Ben. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis Nostradaben et Johnny D. Johnny D. Ouais, ça va très bien. Ben, yes. Content de te retrouver une fois de plus dans ce décor. Dans cette merveilleuse aventure. Dans ce 1 million views on YouTube qu'on a dit au Godfather. Yes! Et puis d'ailleurs, on a atteint notre 5000 abonnés! Je fais penser à Raymond Baudouin. Ah ben oui, la fois que Trudeau, Pierre-Luc Trudeau, il avait botté les bijoux de famille. Les cojones, comme disaient les Espagnols. Ça a bougé beaucoup, mon Ben! Juste un petit peu. À la AEW en fin de semaine, en tout cas. All Out! Ben juste avant All Out, la veille, là. All In. Ben, entre les deux. Entre les deux. Mais il est arrivé de quoi, All In, qui a fait qu'entre All In et All Out, ça s'est produit. Exactement. Puis là, Tony Khan, le grand boss de la AEW, il a montré que, comme je disais, il y avait des cojones en congédiant CM Punk, mesdames et messieurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis toi, t'en penses quoi, là-dessus? Ben, je peux te dire un commentaire que j'ai lu matin sur lutte.québec. Je ne nommerai pas de nom parce que c'est confidentiel, mais j'ai lu un commentaire qui retourne donc se faire crisser une volée en UFC à petit vidange. Et j'ai lu ça pendant la nuit et j'étais bouche bée quand j'ai lu ça. Yes, mais à quelque part, la personne, je trouve qu'elle n'a pas tort de dire ça. Tout à fait. Parce que c'est un poison backstage. C'est sûr, on en a parlé souvent, tu sais, puis Punk a fait la pluie puis le beau temps, non seulement dans l'arène, mais aussi à l'extérieur de l'arène. Et puis... comme j'ai parlé lors de la très dernière émission, l'hommage à Terry Funk, ça faisait pas l'unanimité à tous les lutteurs backstage que CM Punk soit là, tu sais. Mais des fois, je me demande si c'est pas juste comme du work, puis que tu sais, dans le fond, c'est déjà prévu que CM Punk faisait tant de combats à telle place, puis là, il s'en va à WWE. Moi, j'avais une hypothèse par rapport à ça. J'ai pensé à ça dans mes cellules grises. Parce que j'ai une tête, contrairement à ce que le monde pense, là, j'ai une tête sur les épaules, mais peut-être ça va faire comme Ultimate Warrior quand il est parti à SummerSlam 91 puis revenait à WrestleMania 8. McMahon avait décidé de donner une seconde chance. C'est peut-être ça qui va se produire dans 9 mois, dans un an et demi. Ben moi, je pense qu'il va revenir au Royal Rumble. Peut-être aussi, il y a mille et une hypothèses. Il y en a qui disent que c'est la Survivor Series, parce que Survivor Series, il semblerait que ça se fait à Chicago. OK. Est-ce que ça va se faire là? Sauf que là, la AEW, quand il y en a un qui s'en va, ils ont-ils un contrat d'une affaire de non-concurrence? Je ne sais pas. Je sais que la WWE, oui. Mais si c'est la AEW, ça, je ne sais pas, par exemple, s'il n'y a pas le droit de lutter pendant 3 mois dans la concurrence. Ça, j'ai aucune idée. Peut-être c'est voulu dans son contrat, je ne sais pas. Aucune idée, mais selon les ou-dire et selon ce que j'ai lu sur Internet, pardonnez-moi, cher auditeur, il semblerait que Punk aurait fait ça pour pouvoir s'en aller à WWE. Et puis, à aller lutter contre Kevin Owens. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais, tu sais, le Politic Power parle beaucoup avec Kevin Owens. T'sais, tu peux pas passer par Triple H, tu peux pas passer par Stephanie ou par Vince McMahon. Ben, tu vas passer par Kevin Owens à WWE. T'sais. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai lu quelque chose récemment qui disait que CM Punk, à quelque part, aurait voulu revenir cette année, 2023, au Royal Rumble, pour affronter Kevin Owens à WrestleMania 39, parce que c'est Owens qui l'aurait sorti du Rumble. Ça aurait créé une feud, et non une fuse, comme certains disent. Est-ce qu'on pourrait avoir ce fameux combat-là pour WrestleMania l'an prochain? Possiblement, c'est des hypothèses. Yes. Parlant de Kevin Owens, tu avais quelque chose à demander aux auditeurs par rapport à une... Oui, dans le fond, il y a eu un événement qui s'est passé... Une hypothétique blessure, ça? À Pittsburgh. Ben oui, il y avait le gilet de Mario Lemieux. Il y avait le gilet de Mario Lemieux, puis Sami Zayn avait le gilet de Sidney Crosby.
Et puis, pendant le combat, Kevin Owens va à l'extérieur du ring, monte dans les gradins, tout ça. Puis comme Miro. Il fait un Swanton Bomb d'en haut des gradins, dans une table. Puis, de la façon qu'il tombe, j'ai eu comme peur un peu pour son genou. Est-ce que Kevin Steen est blessé? Kevin Owens, désolé. Ouais, ben, je comprends pas. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce que tout va bien? Je ne le sais pas. Parce que moi, j'ai vu la vidéo. Puis, en tout cas, s'il ne s'est pas blessé, il est mardeux. Ouais, ça cogne en esti. Là, les genoux, il arrive, là, les petits genoux bien barrés en descendant. Comme si la rotule avait sorti, si on veut. Ouais, c'était horrible. Chris, d'ailleurs, Kevin et Sammy ont perdu leur ceinture à Payback. Ouais, contre Judgment Day, Damien Priest et Finn Balor. Finn Balor qui devient Triple Crown et un Grand Slam champion. Ouais. Parce qu'il était Universal une journée parce qu'il était blessé. Il était US, Intercontinental puis Tag Team. Yes. Ce qui fait de lui un. D'ailleurs, cher auditeur, on vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, l'écurie la plus puissante du monde de la lutte serait Judgment Day en ce moment? Bon, la stable, ouais, ben là, pour le moment, oui. Là. En ce moment, Rhea Ripley, elle est championne féminine de la WWE. Championne du monde, ouais. Priest est Money in the Bank winner. Il est champion par équipe avec Finn Balor. Et M. Dominic Mysterio, qui est North America d'NXT, qui est le titre mid-card de la NXT. Exact. Proprement dit. C'est ça. Donc, tous les gens sont couronnés d'un titre. Comme Evolution dans le temps. Triple H pour Heavyweight, Orton Intercontinental. Puis Ric Flair puis Batista, champion du monde World Tag Team, qui est arrivé à Armageddon 2003. Là. Les quatre avaient gagné à ce titre. Tu penses qu'il va détrôner Rhea Ripley pour son titre? Oh, j'aimerais ça te dire un retour de Ronda Rousey, mais pour moi. Non, d'après moi, ça va. Trish Stratus? Attends, et Becky Lynch. Becky Lynch. D'ailleurs, en parlant de Becky Lynch et de Trish Stratus, ils ont fait un match incroyable lors de Payback dans un Steel Cage match. Et on vous pose la question, est-ce que vous pensez que le Steel Cage match de Payback ce week-end, chers amateurs, entre Trish Stratus et Becky Lynch pourrait faire partie des meilleurs combats de l'année, si ce n'est pas le meilleur combat de l'année féminin? Selon le PWI, faut-tu le dire, Chris? Yes. Donc, possiblement, oui. Possiblement, hein, honnêtement, ça semblait avoir fait réagir beaucoup de gens sur Internet. Mais en même temps, lors de All In à Wembley, il y avait tellement de bons combos aussi. Yes. Ça va être dur à côté, ça aussi. Je voudrais aussi revenir rapidement sur le décès de Bray Wyatt. On a vu récemment Eric Redbear pour la première fois sortir de l'ombre et de finalement écrire un beau message pour son ami décédé. Tout ouais, ben j'ai pas lu le message, mais j'ai entendu parler. Ouais, c'était hommage à son ami. Tu voyais que ça venait vraiment du fond du cœur. Donc, une autre question qu'on pourrait vous poser aussi, chers amateurs, ça fera pas l'unanimité, mais est-ce que vous croyez, chers amateurs de lutte, que la Wyatt Family serait, comment pourrais-je dire, aurait une malédiction un peu comme celle de la Von Erich Family. On aimerait ça entendre vos commentaires, s'il vous plaît. Oui, aussi, il s'est passé l'événement, tu sais, tantôt je faisais une blague à l'extérieur du ring, Miro, sa charmante épouse, CJ Perry, Lana, a fait sa première apparition à la AEW. En fait, ça mène à All-In. All-In, All-Out. Oui, est arrivé sur le ring avec une chaise. Elle a essayé de donner un coup de chaise. C'était un peu cheap. Powerhouse Hobbs. Je ne sais pas ce qui se passe dans les angles avec Miro et ses adversaires, mais c'est souvent des blacks quand vient le temps de rentrer Lana dans le décor. Mais d'ailleurs, ah ben oui, Bobby Lashley, c'est son année à WWE. D'ailleurs, moi, je vais te poser la question en lien à... Ah merde, j'ai perdu mon... Ben là, tu parlais de Miro? Oui, je parlais de Miro, puis je parlais de Lana, je parlais de... Mon Dieu, continue, puis ça va me revenir. Ouais, ben on a publié de quoi sur Lana concernant son retour, mais malheureusement, ça a été supprimé à cause des droits d'auteur, là. Fait que je sais que ça peut avoir choqué certains individus par rapport à ça. Nous sommes désolés. On fait ce qu'on peut pour informer. Yes. Et puis, ça vient de me revenir. Est-ce que tu penses, toi, puis j'aimerais ça t'entendre dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, on s'y est là parce que là, on va revenir
à l'origine de notre vidéo d'aujourd'hui, on parlait de l'altercation de CM Punk. On sait que CM Punk a eu des frictions à l'arrière-scène avec Jack Perry. Jack Perry, d'ailleurs, qui est suspendu pour une période indéterminée, si vous ne le saviez pas. Tout à fait. Il y aurait eu aussi des altercations avec Miro. Ben, il a essayé de creuser l'anneau, puis l'autre, il est en tabarnouche. Non, mais peut-être... Non, mais, tu sais, non, hypothèse, pas, hypothèse. Pense, mais je pense pas. Mais moi, ce que je pense, c'est que, tu sais, il y a... il semble avoir comme un peu deux clans là-bas. On a vu récemment FTR monter sur scène et un des deux, je pense, c'est Dashwood. Il faisait le signe de Punk avant de monter sur scène. Better than you, là, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, bon, tout ça pour dire que, bon, j'ai vu récemment aussi que la femme à Phil Brooks, a.k.a. CM Punk, a mis une photo de... AJ Lee, Mendez, là. Oui, exact. A mis comme Darby Allin, puis disait que CM Punk, Phil Brooks, avant, aimait pas ce gars-là backstage, non. Où je veux en venir, dans le fond, là, c'est Benoît, est-ce que tu penses qu'ils ont amené Lana pour donner un anan d'excuses à Miro? Ah, possiblement. C'était bon les hypothèses, mais ouais, je serais pas surpris. Notez-le dans les commentaires, ouais. Les amis. Puis ton affaire de dire que CM Punk n'aime pas Darby Allin, est-ce que ça l'explique pourquoi, v'là 2 ans, ils ont copié sur le match de Bret Hart contre 1-2-3 Kid? On se donnera pas trop, on va copier ça un match. Peut-être. Ça se peut. Peut-être. Une autre hypothèse. The King of Hypothesis. Yes, ça va être important, chers amateurs. Sortez votre tête de votre boîte de conserve. On veut vous entendre, honnêtement. Fois. C'est super important. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité de la lutte au Québec? Pas de Québec, ben, aux ben, États-Unis. Là, aux États-Unis, ben, là, il y a eu Payback en fin de semaine, si on en a parlé. Yes. Il y a eu All Out. À partir du mois d'octobre, chers amis, on va avoir la saison 4. Du Wrestle Rock. Ah, ok, non, mais oui, moi je pensais. On parle un peu de tout. Ben, c'est pas juste de la lutte puis de la. Non, c'est de la lutte, c'est de la musique. Ouais, mais parce que. On vous garantit, on vous promet quelque chose d'incroyable. Ouais, quelque chose d'assez. On parle pas de ce qui s'en vient, mais honnêtement, restez à l'affût. On parle pas de chien qui broute minou, là. Non. Ça va être pas pire, je pense bien. Une grosse surprise. Plusieurs, je pense. Ben, vous ne serez pas déçus comme. Ça, c'est certains détracteurs là, qui nous ont comme forcé de retirer la vidéo de Dino Bravo. On avait promis que c'était une surprise, Dino Bravo. Yes. Le monde nous sont mis à chialer. Là. Mais là, inquiétez-vous pas, là, vous ne chialerez pas. Là. Vous ne serez pas déçus de la surprise que nous vous préparons pour les prochaines semaines. Yes, parce qu'il semble avoir un peu des détracteurs. On n'aimera pas de nom. Non, mais... c'est ça. Exactement. Ils doivent se reconnaître, c'est sûr. Oui, ouais, tout à fait. Puis de toute façon, il y a des gens aussi qui ont... Ils sont très jaloux du succès qu'on peut avoir. Oui, exactement. Puis il y a des gens qui se prennent pour d'autres personnes derrière des comptes professionnels. Fait que ça, c'est... c'est un peu de la merde. T'as échappé ta savonnette? Ouais. Une chance, j'étais pas en prison. Yes! Alors, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'actualité de la lutte au Québec. Du moins, s'il n'y a pas de la AEW. Aux États-Unis, désolé, au Québec. C'est ce qui se termine notre émission spéciale. Alors, on se retrouve très bientôt, chers Wrestle Rockstars. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement. L'action ne manquera pas. Salut!